Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, et Yindi Bandeko, voilà pourquoi Bembo Front, bientôt la guerre RDF E23 à l'Est, Bokoyoka, agression à l'Est de E23, se renforce en éléments venus du Rwanda et réoccupe les positions cédées à l'EAC. Tous à la connecter, peut-être au développement, mon émission Nabissou. Deuxième point, chers téléspectateurs, fin de Kagame M23, Human Rights Watch Bandeko, ba sopio yo kasuka na décision, ba lobby, exécution, viol, de mars à mai 2023, bo yo ka rapport Bandeko, kaka mars à mai 2023, o yo présent Rwanda ba salina, ba tunaye bo yo ka. Alors, Occident, message est commis. Donc, Kagame, la fin. En tout cas, Occident, bah, le bain, en tout cas, trop, c'est trop. Oyo, et comme grave. Alors, Bandeko, tous à la connecter, peut-être qu'on développe mon émission, là, bisous. Bandeko, émission, là, bisous, Bandi, et comme étant auto, développe ensemble la situation politique en RDC. Bandeko, t'auras qu'on est directement en front au nord Kivu. Et pas Wapi, VPM, ministre de la Défense, Bemba, à Zanafon. Pourquoi à Zanafon? Bandeko Makamboza Minene, il a tenu une réunion aujourd'hui. Bandeko Bango tout présent. ERC, CRGL, Onyon soit cantonnement à 1.23. Batouana Nyon Solikola Mesa. Tiwe ou à côté, Bajenoro Nyon Soya ERC sur place. Masolo Eza Minene. Oyo kakatambo Oyo kabande Bouloba. Makamouza grave. Entre-temps, le M23 se positionne na ba place où yoba seda ki ERC babani kozo. Toujours comprendre. C'est pour cela que Bemba à l'est de la EDC. Kibumba a komba kote wana nyoso. Yemo y fala tambo la pe na ba place ERC bazali. Nde baza koko habite yeba mona. Bon oison. Et comment les M23 bah ça se déployer à l'armée du Rwanda. Même dévoilé par Human Rights Watch Yaouni. Dans l'Occident, ma kamouye li bango le kola mesasiko. Toujours un deuxième point. USA et l'Union Européenne ont un grand problème pour ma kamouye M23. Oba osala na EDIS. Mais toujours y en a point. Alors, Bemba, pourquoi Bemba au fond? Il fallait kakaza la kuna à vivre yé mon coup. Ba soda na kata terre ko yé bisabango. Clairement, te macho yo biso toko gagné yon. Moral à faire de ses alamakasi. Parce que bientôt la guerre. Pourquoi on dit cela? Le M23 va place au Batikaki. Va komiko zongi la va place wana. Mais comment EAC pouvait faire ça céder va place wana? Comment M23 komi wana nenge? Nini. Alors qu'à Tikaki ya. Bemba l'avait même dévoilé dans le conseil des ministres avant Kenikiv. Asi ko loba yemo a Kenano. Ton loba ke tamu ya o koma na terre. Bandeko réunion ko sakana terre mututa zangaki bango nyonso na boba zo dirige ERC bata Burundi na MONUSCO na ERC na bata CRGL na la communauté internationale batu tu bazala ki wana na goma na réunion extraordinaire mais ba devoila on a médiate mais boyibikaki masole zanga akubimati boko mona ndenge ni masolo ngwele kaki bandeko to komina tamoko
oyo ba congolais to comprendre direction auto zanango. Le pays est attaqué, mais nzamba za malam. Ba konzamboka ba se préparer très bien. Arrivé à Bembe zalaki hasard te. Tine zalaki. Soto zo mona mene zo le karatere. Bemba ye kotia le point silizi. Et loko nini 1-23 bazo kene kanton mati. Pourquoi EAC osa ko attaketi? Ezaya ko yinda. Esi ye yindi premier fois baza la tête à tête. Depuis qu'il a été nommé. Ma kamboza minene. Pas à senga ki. Ki akuta nana bangona réunion à mounene. Pe onu azawana tabazo solo la masolo. Alors, sokota la situation zo mona clairement été ba voisin nabata EAC ba komi na problème très très sérieux. La CRGL baza sur place boko mona généraux angolais na pété angola na lipeka Nicolas Mesa na Bemba. Boko mona batu nyonso ba délégation, batwa EAC, ba kambina bango, ba chef d'état major, ya bazala wana, que se passe au juste. Ba Rwanda, Ugande, ba Ugande wana, ou bazo supporter Rwanda. Ma kambo ezami nene. Voilà l'homme qu'il fallait, avant si ba on le kola mesa. Question moko moko. Parce qu'on ne peut pas accepter comme ça. Il y a cela maintenant une année. Réunion est acquis na China maintenant une année. Depuis que Bato Bakota na Bunagana. Le 13 juin 2022, Bato Bakota qui na Bunagana maintenant va sali une année. Pendant une année, bo vandi na mboka batu. Bango ba ye ko attaquer biso message a Bemba, je crois ezana ngo clair. Fardi se tala biso toza na mboka na biso. Bango nde ba ye ko attaquer biso. Et je ne suis pas sûr. Même ce Dieu là, il faut aller juste na makambo toza na ngo. Makambo tu passe bango ba ye ko ko attaquer biso. Alors, ils ont occupé notre territoire, toujours occupé ma territoire wana. Et là, quand ils ça passe, société civile dit à l'homme, parce que le 13 juin, ils ont des lilo. Une année après. Total. Bandeko, voilà pourquoi Bembo font bientôt la guerre RDF 1-23. Une année d'occupation. Et c'est bel air. Batou yo. Oyo kakabaza ko kipe mboka na biso. Banda ba vanda wana. Don bazo sala à peu près. Don ton lo bakaka. Ouais, un an. Et c'était emparé de Bunagana. Le 13 juin. Mena ba Congolais to kansa sikoyo. Le 13 juin, une année après l'occupation de l'armée rwandaise, et ça la peine passe. Bemba avance, bango nyonso, tala likola mesa, tala na mapeka. Sozo tala, ozomona bata MONUSCO, bango wana na sima, na tout autour à mesa. Ba commandant EAC, ba commandant FARDC. Ye kuna commandant o ya bango ya EAC wa kotisika. Ya CRGL bozomo na ye wana. O ya Angola. Don makambo za minene chiwo waza kuna na kwe Bemba aza ku presider renyo. Soko tali na pembeni. Mena wiklu. Bemba na Constantima bazo solo la
Sikoyo une année après. Boto landa de tout ça qui na réunion wana. Siko biso to zo décision. Bokoyo ka mikolo ezoya. Bemba ninga vana chiwo ina ko sandima wana a week clo muto azabango 3. Ba décision zo zo mawana. Bazo benga mukonja mboka wana. Ndeka basiri si réunion. Bandeko, makamboza minene. Inane après, l'occupation de Bunagana par l'armée rwandaise, M23. Donc, et comme étant bateau bakini. Inane école les Kelabangon ne sont pas plus de mois. Ça ne peut pas se faire. Ma conduite va faire une décision d'urgence pour dégager le bateau et quitter le sol congolais. Ce sont des Rwandais, ils resteront des Rwandais. Ma conduite n'a jamais été comme un Congolais avec cette attitude au Bazanango. Boyoka, Bemba, Azakuna, pourquoi? Pour le potentiel. C'est pour barrer la route au projet d'attaque éventuelle de la ville de Goma. Que le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est rendu dans la capitale du Nord-Kivu. Il a saisi l'occupation pour encourager, il a saisi l'occasion, je m'excuse, pour encourager les FARDC à garder le cap afin de défendre le territoire national, quoi qu'il en coûte. Parce que cap, où on a place au Toza, doit avancer sur ton bateau la nuance. C'est pour cela qu'il est là. Le potentiel nous a dévoilé. L'avenir rapporte que le vice-ministre de la Défense ancien combattant, Jean-Pierre Bemba, est arrivé lundi 12 juin à Goma, 2 mois après sa nomination. La chose qui m'anime de plus, c'est de lancer un message d'unité pour nous, à notre population. Derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alobi, bisognon ce simamo konja mboka. Message on est touché à qui, Batunyons. Bandeko, agression à l'Est, réunion yue salamakinatina. Le M23 se renforce en éléments. Tout le monde a très bien. En éléments et en hommes. Et réoccupe les positions cédées à l'EAC. Alors, tant que tu as l'article là-bas, Bandeko, et ça la capacité parce que, et ça paye un abisso. Bisso, tu as dit que la bateau tentait. On se voit là. Ne basan ba yebi ki toko tiki la bango tanti. Il faut biso tous en position ya ko défendre le territoire. Quoi qu'il en coûte, ndenge loba miwana. Le 1-23 ba kipambo kanabiso et sali mena inani. Et maintenant, les positions oyo bango batikaki ba bani ko zongela ba position wana sikoyo kusoma na kete lere grave botanga na se wana. Alors ils ont ces places wana batiki ba lobi parce que ESA zolo ba ki ba sali travail ba obaki mena likola mesa na Bemba zo tuna bango. Nga moko na wuti na kibumba. Nga moko na wuti na kichanga. Batu wana bazaka kawana. Sikoyo. Inane yanguyo. Ndiko zaba kaminene lelo. Le 13 juin obiso to perdaye Bunagana. Mena Bemba kosandima echiwe webaza kote siko. Apre renyo hoyo bakena nkuku. Ndeto solia bumonde yini. Ndeto yiki bangu. Bumonde yini. Bemba zuzo wa mesa. Ndengi wa zaona mesaj direke pa chef de l'Etat.
bazo benga pe bazo solo la na mukonja mboka il est renu le kindeni no boy 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 tala ba walu boy walu boy mes station o tu salo mi kolezo pusa na pembe na belege bayo kan su lo kutate ya bata EAC uyu masonge bazo coopérer na président rwandais masonge je continue il est temps d'attaquer il est temps faire de sa mener ba bande ko ndebo za bomo na bemba si le terrain aza accompagné n'état mudon oyo kaka état major mo parce que macho il faut aussi les sango kalati alors to développer parce que ndebo zo mona réunion wana ezaki akafu kafu avance Kivu, la situation sécuritaire préoccupante était au centre des échanges ce mardi à Goma entre le ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba et les responsables des confessions religieuses. À ce deuxième jour de sa mission à Goma, le ministre de la Défense a également rencontré les responsables militaires de la MONUSCO, de la CRGL et de l'EAC. La société civile en général attend beaucoup du ministre de la Défense pour restaurer la paix au Nord Kivu et permettre le retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Sifa Maguru revient sur les préoccupations soulevées par les responsables des églises. D'après le président de la plateforme et des confessions religieuses au Nord Kivu, les responsables des églises ont demandé au ministre de la Défense de prendre des mesures préventives pour la gestion des groupes d'autodéfense, communément appelés Wazalendo, afin que ces derniers ne puissent se retourner contre le gouvernement une fois la guerre terminée. En outre, ajoute l'évêque principal Joël Amourani, ils ont demandé au ministre de faire le suivi de l'approvisionnement des militaires au front afin que tout le nécessaire leur soit disponibilisé. L'évacuation des blessés de guerre a aussi attiré l'attention de ses responsables religieux. Le retour de la paix est le préalable à toute autre activité socio-économique, d'où le ministre de la Défense a été appelé à tout mettre en œuvre pour restaurer la paix à l'est de la RDC en général, a tenu à ajouter M. Amourani. Goma, Sifa. Ajoutons qu'à cette première visite de terrain effectuée à Goma depuis la prise de ses fonctions, Jean-Pierre Bemba s'est rendu hier lundi soir, déjà sur les lignes de front avancées des FARDC dans les territoires de Nyiragongo et à Kimoka dans la région de Sake. Bandeko totangi toyoki bisonyonso ce qui s'était passé. Mais l'autre n'tolo ba aux années. L'EAC, ba place onyo 1-23, ba place moussousou 1-23 comme Kozonga. Et des troupes rwandaises. Baso katsapi. Donc tout ça quoi s'attendre, il y a dégâts matériels, dégâts total. Bemba a ken atere ye moko bangi matin. Parce que ko ken banzelo no baki bumba ba koto na nyonso ko ta la situation. Hein? Akamboza minene. A palpe doigt a sac place armée na biso pe na bavandi. Batouana bazaï souné l'eau, bande bazaïana bazaïana problème syrien. On s'en mona. Alors, batouyo, le kola bazouyo kate, bako vivre yamou. Bango selon bango bazo mona ke, passe bon ba respecter si c'est le fait. Mais bisope patience et comme na souk. Botale na photo ana, auto la gisi, après réunion. VPM a kena mopanzi. Na chiwewe na Konstandi ma chef ab opération na Nord Kivu. Eza réunion moko spécial e ba umisatu. Tolo ba 4 passe l'air ba zo téléphoner pe mokonja mboka. Makambo suki ndenge nini lero sanksi ba onyonso. Passe bemba bweli kola message eli ba mbotala. Ina ne yanguyu. Bisu to kondi mate. Bateau balékal sur plus de une année. Mois de juin consilaté, cantonnement par la force ou bien matches en démos. Donc c'est ça toujours quoi attendre. Parce que loco bemba luka ta kutan sabon union sur le cola mes. Au mona général angolais on a CRG au bata cantonnement nani neya Angola le cola mes. Chef d'état major Kenya le cola mes. Bangonyon se li kola mesa. Est-ce que vous comprenez? Que match est à la kindenge? Tozo gaye geyrou. Bisonde to sa priti. Bato yo bazali susunde bazawana.
maye lesi sili bango. Bazane loko ko sala te. Présent Rwanda a komine na suke loko nini ya komina nguluka. Mubulumo wekota kana EDC. Lokola bango pe bazana kata mboka baba na mebiso avant même belection parce que opposition bazon nga ba créer loko mo. Bazo coopérer na Rwanda toza la claire. Ya bazo préparer ba makambo bili. Mais avant on a mois de juin de fin. Il faut inventer ba kiti. Voilà bandeko. C'est à ce point. Tout ce qui est premier point, tout ce qui est deuxième point. Bandeko, message quoi? Fin de Kagame et CM23. L'Occident va suivre message. Il y a Human Rights Watch. Bandeko rapport kaka demain. De mars à mai. Mars, avril, mai 2023. 81 victimes. 14 viols. 8 exécutions. Plusieurs abîmes. Désordre total. Crise humanitaire. Et ça a augmenté. Un 23 bazako bundati na ba groupe armé makambo za minene. Et puis Human Rights Watch ba expliquant très bien bandeko ezali bandeko Human Rights Watch baza oyokoka nini ya oni ya munene. Alors ba article na bango se maka toujours des autres. Article na bango benda tuzi na ba problème na ba toyo baza concerné. Le président rwandais azo koma na problème très sérieux autozoloba. Malgré chaque fois tout ce qui se passe, l'Occident bazo pesa ba sanction te, même balo yo tozo mona ke sanction ko kweya président rwandais na ba 123 na ye e yinde libango. Balobi boye clairement na rapport na bango. Kaka de mai à mars, kaka de deux mois, mai, avril, de mars, avril, mai, trois mois. Si vous comprenez que de mars à juin, na mai koutou, de mars à mai, donc kaka deux mois, pour ta la exécution basali. 14 mai exécuté batou. Entre temps, Babio Basali, 14 viols, Oyo Bango Moko ba témoin Bazako Loba, Bazako violé Bandeko na Bango. Bango ba témoin Bazol Bazo Bomande Kone na Misu na Bango Moko. Bosana wa ki sieche wana koutou moussousou, Oyo e salamika de mai, mars à mai, deux mois passé, ba misi rapport nango. Alors, Human Rights Watch à Nations Unies, donc c'est à Kouinda. Et puis, Occident, je crois bien, maïe le Siliban. L'homme où yo bango bazaye ko prot, l'homme où bango bazaye ko kote là. L'homme où bango mona ki présent Félix Boete, yete, moutio to supporte, to kenena boebobo basuki nanzila. Les stratégies du présent Félix Tshisekedi ont marché. Yango bemba tango akomi na l'est. Azo yebisa bango nyonso. Biso nyonso sima chef de l'État. Azana posa kimi ekota a. Tala malobane le binde ko wana journaliste a bien touché ye. Azo noba au nom président de la République partout et pas ok. Félicitations au yokaka VPM, ministre de la Défense. Bemba zo chama kamunanzela. Parce que ba Amérique ba Européen. Ba mba ndimaite. Lema noma ki bemba do elekela ki ba. Ba yebi ke l'homme qu'il fallait. Alors, maintenant la situation toza nango siko ezaki. Ba dega we kwekaka ya deux mois kaka. Rwanda maelisi. Et puis bazo tanga na rapport na bango, nde ba troupe rwandais bazo katsa
Koyana RDC bazo commettre des exactions, ce sont des Rwandais. Bah expliquons-moi très bien. Osomona. So tangi no comprendre clairement le message là-bas. Tout temps. Fin de Kagame M23, Human Rights Watch exécution viol de mars-mai 2023, Boyoka. Depuis la fin de l'année 2022, les rebelles de M23 soutenus par les Rwanda, Bozoka rapport est comme clair. Et je suis ma kamte, clairement soutenu par les Rwanda. Parce que ma preuve menée comme palpable, président rwandais, Azay Suna le Kamakoulo Bati, Maïe le Silie, Nabatunaïa M23. To alukande ni masula okene na yango. Passe rapport des alcoola mesa. Bango moko USA na Union Européenne ba bandeni ba ko résoudre makambo oyo. Oyo balukaki yango e bandi. Les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda ont perpétré des exécutions illégales, des viols et d'autres crimes de guerre manifeste dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui, le mardi 13. Ezaya Kouina et Sie Indi. Bande ko tango bazo lo bayango. Donc, Eza somme. Somona. Parce que bango tango basala kabiloko oyo ba mona kake voilà te eleki na ngoka bongo ba ebikake et donc ba continuer na ba comme d'habitude. Des attaques par armes explosives menées dans les zones habitées de la province du Nord Kivu ont tué et blessé des civils, endommagé des infrastructures et exacerbé une crise humanitaire déjà catastrophique. Des groupes armés opposés au M23 ont également commis des viols. L'armée rwandaise a déployé des troupes dans l'est de la République démocratique du Congo pour fournir un soutien militaire direct au M23, l'aidant à étendre son contrôle sur le territoire de Rutshuru ainsi que sur le territoire de Masisi voisin. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devra ajouter les dirigeants du M23 ainsi que les responsables rwandais qui soutiennent ces groupes armés responsables d'abus à la liste des cibles des sanctions du Conseil. Donc, sanctionne à Bango, Batye Likola Mesa. C'est la liste des cibles des sanctions du Conseil. Donc, Ndeto Lobawa, et ça Likola Mesa. Oyo baza batu oyo te obi bo yeza be expert à Nations Unies oyeza batu à droit de l'homme bango baza kotala Human Rights Watch makambo za mine. Les meurtres et viols commis sans relâche par les M23 ont favorisé par le soutien militaire que le commandant rwandais apporte au groupe armé rebelle. Tolanda très bien. Le commandant rwandais, bakomo le wango polele, liboso bazao lo baboete, apporte au groupe armé rebelle. A affirmé Clémentine Montiove, chercheuse au sein de la division Afrique Human Rights Watch. La RD Congo et le Rwanda ont tous deux obligations de traduire en justice le commandant du M23 pour leurs crimes ainsi que tout responsable rwandais qui les soutient. Le président Rwanda onan yemoko président rwandais siko yako traduit nani en justice le sur donc makambo zai oyo kaka ya kuinda zomona. De mars à mai 2023, Human Rights Watch a mené des entretiens en personne et par téléphone avec 31 victimes d'abus congolaises, leurs familles, des témoins des autorités locales, des représentants d'organisations non gouvernementales congolaises et internationales, des représentants des Nations Unies ainsi que des diplomates. Human Rights Watch a documenté 8 exécutions illégales et 14 cas de viol
commis par les combattants du M23. Human Rights Watch a également reçu des informations crédibles à propos de plus de dizaines d'autres exécutions sommaires commises par les M23. Makambo Zaminen. Des survivantes Nabaka Ananyonso ont fait part des cas où des commandants du M23 ont violé Bandeko Makambo Zaminen. Ont violé des femmes devant leurs enfants et leurs maris. Bazo violé bango devant banana bango. Na mobali na bango. Bota la traumatisation ba toza na motu. Ce qui amplifie le traumatisme subi par les victimes et érode le tissu social des communautés et des familles. Des familles de viols collectifs impliquant jusqu'à 5 agresseurs ont été rapportés. Président Rwanda Mbalo Yakubi Kati. Oyo esa question que gouvernement na biso ba telema. Même biso ba lobito loba yango. Bande ko bo partager yango. Makambo esa minene. Avançons. Maintenant, na bango Occident. États-Unis, France, bango nyonso wana. Ndenge to tangi na Human Rights Watch parce bango baza ba conseil permanent na nation ba wa mona rapport au bataliboso. Kaka na deux mois. Mais makambo ça grave. Situation ça mubulu. Et baso commettre des exactions ba viol na misa bana na mbalina. Et puis, ils ont maltraité les gens qui ont 14 exécutions. Vous comprenez ce que vous avez. Ma solo est à vous, rapport à vous. Président de la République, ben baba so tanga ya mou. Bo y passe ne zo sal. C'est pour cela que azana kata terrain, ma décision zo zo en ma kasi mikolo bandeko. So komoni ba komo sa ba responsable rwandais bango wana ba okanga kanga bango. Ye o azaki general o mondenge président rwandais longoli longoli ba twana nyonso. Ba okanga kanga bango tu ba kokendi. Ba jena ye azo sala ye moko okota na kati na ngo. Boye mikolo ezo le kana Rwanda boyebi. Ba suspension et tout ça. Mais la situation est claire. Ils ont commis des abus sur notre sol. Peuple a continué à souffrir. Le message ne sait pas. Bakonzi. Bon résoudre le dossier Oyo ya M23 très rapide. Bato va quitter le cannabis. Bato yo sur le terrain d'exaction va commettre trop c'est trop. Peuple congolais qui vivre sous misère oyote et commettant bato yo. L'heure est grave, les M23 et les AC, basali ba aventure na bango ta et koki, ba konzi ba lobi trop c'est trop, il faut dégager chez eux, ba quitter les sols congolais. Voilà, makamba ngondengeza. Bande ko soko tali dossier oyu, ezo sala mawa ya kosakana te. Komona koma, be exécution zo sala ma. Na misu ya batu na ba témoin mais trop c'est trop et so senga ba congolais to tele mabiso nyoso comme un seul homme batu yo baswa dégage nganda na kati ya mboka na biso on peut plus supporter des bêtises comme ça na kati ya mboka na biso na kati ya territoire na biso alors bande ko le président rwandais a résisté na ndenge nyonso tout ya linga ka asala. Baba nevre ne nyonso asala ezo kota kaka mobulu. Ba strategia mokonzi simbi me pasi na biso ezali. Ndenge Human Rights Watch ba publie biloko oyo. Ndenge balobi ki ONU ifa jo ba sanction direct e pa ya Rwanda ba responsable rwandais o ba sali makambo oyo. Biso nto mona ngo le plus tôt possible. Gouvernance il faut ba agir le plus tôt possible pona mboka.
peuple qui continue à souffrir, boite, ça fait mal. Tant non mona exécution boy, tant non mona bato ba salama be, devant ba bana ba ba bazo salama dégât total les Rwandais. Et puis na rapport bazo lo bango clair, mais c'est suma kama obumbati. L'armée rwandaise va traverser frontière, va commettre ba crime na RDC sous label ya M23. Et puis bazo continuer yango. Et puis rapport est commis devant bango États-Unis et l'ONU. Maintenant Union européenne, USA, Union européenne, Human Rights Watch a-t-il une autre dossier de Colamès? Des sanctions fait quoi ya? Mais tu crois qu'on va calater? Ce qui va passer quand va diriger Rwanda, photo loba, présent Rwanda face à l'inclus. Ce qui les loya zo wanga n'a pas, c'est déjà tout de suite au moment qui va dossier béni. Ba genai ke bato ba commettre l'exaction à RDC ya yeba ki amoutu l'air est grave tala awoutu ko longo la bango e belona akolo ba ke bango po ba sala ki boui pasa yo ki ya tanga e ja rapport avant mse le loto tanga o le lo mardi président Rwanda sa yeba ki rapport wana a monete bango nyo so ato longo la bango. Nama situation bazana. Mais aye baki ye moko kubikati. Parce que ye mouta tinda kabango. Ye moko si aloba. Bandeko, makamo ya aloba ki na bene. Bozo monoka bwe tikali na badusi nyonsu. Ke preza wande atindi bango kuna. Pona in parti de terre. Oyu zaki neta koloniale. E tikali. Mouta ko chanja wazati. Manube bimina mouno kone moko. Expansion ya zo luka zo ako zango peti. Aye baka place bazana bunagana partout kote anyo tozo rekipere mboka na biso. Bande otala mboka na biso ya tozana elonga na sepe na mboka na biso. Inite ako zangana te marge le problem. Marge ba faiblesse to bote ba bote le biso bunagana. Lelo eza inane le 13 juin. Inane apre bunagana. Ba bemba bazo luka ba decision ya makase kwe. To rekipere mboka. Inane se tro. Na maboko abatu. Territoire est occupé. Il faut que si la nana président Rwanda. Pour biso to yebe te cantonnement wana. To assulté. Bobong sa armée to attaque batu. To benga na bango. To kovan sa mon souhaite. In ane trop c'est trop. Et belé ba komo senga. Même o ba kondimu sou ba démissionne. Parce que to tiki 1-23. In ane ba bote le mboka na biso. Société civile, elles ont tombé déjà la Nord Kivu. Et comme ils tentent tellement ensemble. Un message à Bemba. Alors, ils ont besoin de Simon Mokonjambok. Tout soutenir, ils ont besoin que voilà. Et comme ils tentent Benga na Batou. Il en est, c'est trop. Les Congolais, tant que je suis là. Le président Rwandais a commencé à souk. Mais tout ce qui se passe comme crime, Congolais au côté de moi. Si tu as une question de l'école de la RDC, continue à faire une histoire. Il y a une question qui est le civisme. Je suis un Congolais qui a une mission. Quel est le nom du pays qui a agressé Bissou? Le Rwanda, le pays voisin qui a agressé la RDC. Voilà la question va tourner bana nyonso bayib le Rwanda est le seul pays voisin au ba agresser la RDC mais toi ba été moko abatami simana e Uganda tout c'est ça bana bazoe bana kati histoire ne makambo ile kezo tikala ya moto zolo ba ki présent Rwanda aluki makambo moko e kosukile mabe mais e loko tozana mwese Mokonza mboka bimisi mbongo pona arme. Ba chinois ba oza la présent na kata terre. Be bele ba oza la présent ko entraîner ko tupe sa ba arme biloko tout. To oza na position bien. Ça reste que un peu du temps. Mais ba tono aluka ba attaque me mbalo ba kosila. Alors, bande konanga, c'est à ce point. To komo clôturer mission na biso. Bo continue ko s'abonner massivement. Bo partager. Au revoir. À la prochaine.